Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. J'espère que vous allez tous bien. On va parler d'une application iOS Android, une application du nom de SuperSense, S-U-P-E-R, collé, S-E-N-S. Je vous l'ai mis en gros sur votre écran. Une application entièrement accessible, iOS Android, téléchargeable donc sur l'App Store et sur le Play Store. Avec SuperSense, vous allez pouvoir faire de la reconnaissance de texte, de la reconnaissance de scène, de l'OCR, de la reconnaissance de code barre, de la reconnaissance d'argent. Vraiment, c'est une application très complète. Alors, SuperSense est une application qui a une partie entièrement gratuite et une autre partie qui sera payante, soit par mois, soit l'année ou soit à vie. Donc, ça sera à vous à choisir. Je vais vous montrer ça dans la vidéo. Alors, j'ai trouvé très intéressant de vous montrer cette application pour beaucoup de personnes en situation de handicap visuel ou en situation de dyslexie. SuperSense est vraiment une application géniale. Alors, si cela n'est pas encore fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque Vision Hightech sort une vidéo. On va tout de suite ouvrir cette application et je vais vous montrer comment elle fonctionne. Alors, bienvenue sur Vision Hightech. Et c'est parti pour la découverte de cette toute nouvelle application iOS Android, SuperSense. Alors, comme d'habitude, avec votre iPhone, vous n'avez qu'à demander à Siri d'aller télécharger pour vous l'application SuperSense. Vous appuyez sur votre bouton, télécharger SuperSense. D'accord, je recherche SuperSense dans l'App Store. App Store, SuperSense. Champ de recherche. Alors, le premier lien que vous allez trouver va être SuperSense, utilitaire, aucune étoile. Ça sera pas celui-ci. Vous continuez à pitcher vers la droite. Obtenir SuperSense, effort blind, scan text, money and object, 4 étoiles et 1 quart, 4 notes, bouton. Alors, ça sera bien cette application à télécharger. Ouvrir, bouton. On va l'ouvrir. Ouvrir, mode document. SuperSense, tenez. Du document. Déplacer d'un pouce vers soi. Déplacer d'un pouce vers... Alors, lorsque vous avez téléchargé cette application, la première fenêtre sur laquelle vous allez tomber va être une fenêtre où vous allez devoir mettre obligatoirement un mail qui sera valide. Juste dessous cette zone d'édition mail, vous allez donc cliquer sur le bouton suivant. Ensuite, vous allez donner des autorisations à ce que SuperSense accepte d'accéder à ce que votre iPhone accepte que SuperSense accède à votre appareil photo. Et une fois ceci fait, on va tout de suite arriver sur la première fenêtre SuperSense. C'est parti. Mode document haut. Déplacer d'un pouce vers soi. Comme vous pouvez entendre, SuperSense. Tenez plus près du document. Alors, SuperSense est une application d'OCR, de numérisation à la volée, à la Seeing AI. Donc, avec cette application, vous allez pouvoir faire de la reconnaissance de scène, de texte. Vous allez pouvoir faire de la reconnaissance de texte à la volée ou de faire de la pagination, donc faire du multipage. Vous allez pouvoir faire de la reconnaissance de code barre, d'argent. Enfin, c'est une application très complète. Lorsque vous l'avez lancée, vous n'avez pas besoin forcément de garder votre voice-over allumé. C'est préférable pour les personnes aveugles. Mais si vous êtes malvoyant, vous n'aurez pas besoin d'activer VoiceOver. Ce qui peut être très pratique pour les personnes, pour les seniors par exemple, qui utilisent leur iPhone et qui n'ont pas forcément besoin d'un VoiceOver. Grâce à SuperSense, vous allez transformer votre iPhone en une vraie machine à lire. Ça, c'est vraiment très top. Je vais vous faire écouter dans un premier temps le mode SuperSense. Quand vous l'achetez, qu'est-ce qui se passe et combien vous allez devoir payer soit par mois, soit par an ou soit à l'année. C'est parti. Pour savoir cela, lorsque vous avez donc ouvert SuperSense, vous allez complètement en haut à gauche sur un bouton qui porte le nom de menu. Bouton. Menu. Menu. Bouton. Une fois que vous êtes entré dans ce menu, vous avez donc différents choix. Paramètres. Ouvre des options supplémentaires pour personnaliser SuperSense. Donc vous avez des options dans paramètres à mettre absolument, par exemple comme pour la reconnaissance de billets, pour mettre les euros. On rentre à l'intérieur. Étiquette code barre.
Changer le mode flash, auto, étiquette code barre. Donc il y a les étiquettes code barre. Changer le mode flash, auto. Changer de devise, euro. Donc changer de devise, vous avez donc euro. Sélectionnez le dollar américain, euro, British pound, dollar australien, dollar canadien, do. Donc ici, moi j'ai choisi euro. Taux de parole super 100, 50%, ajustable. Dans ces paramètres, vous allez pouvoir donc changer la vitesse de lecture de la synthèse vocale. Moteur de parole. Ouvre un écran pour sélectionner les différents moteurs vocaux disponibles sur votre appareil. Et vous allez donc pouvoir mettre la bonne synthèse vocale, le bon lecteur d'écran. Si vous aimez Thomas, Audrey ou Aurélie, vous allez pouvoir mettre la synthèse vocale que vous désirez. À propos. Et ensuite, vous aurez donc à propos de l'application. À propos. On sort comme d'habitude, soit en allant complètement en haut à gauche ou par le biais paramètres. Du petit geste comme d'habitude, S, Z, etc. Didacticiel. Ouvre le manuel d'utilisation Supersens. Donc vous avez un didacticiel, je vous le laisse le découvrir et vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé de cette application au niveau déjà de son didacticiel. Abonnement. Afficher ou apporter des modifications à votre abonnement Supersens. Alors côté abonnement, à quoi on doit s'attendre? Je vous montre ça tout de suite. Abonnement. Bouton. Alors, vous avez donc trois types d'abonnements. La formule gratuite où vous avez accès à quelques fonctions de Supersens. Et ensuite, si vous voulez débloquer les différentes formules, voilà à quoi il vous faut vous attendre. Formule gratuite, accès illimité au mode suivant. 1. Lecture rapide, lisez instantanément du texte avec votre appareil photo. 2. Importer, lisez et explorez le texte sur les photos. 3. Historique de lecture, affichez votre historique de reconnaissance de texte. 4. Loop. Effectuez un zoom avant et lisez le texte avec différentes couleurs d'arrière-plan. Voilà, donc avec le mode gratuit, vous avez le droit donc à 4 fonctions de l'application Supersens. Ensuite, on passe au deuxième mode. Premium plan. Comprend tous les services du plan gratuit et déverrouille les modes suivants. 1. Smart Scanner. Détecte automatiquement si vous essayez de lire rapidement un texte, un document PowerPoint long, une devise ou un code barre. 2. Document à PowerPoint. Lisez et explorez des documents plus longs à l'aide de conseils intelligents et d'une précision améliorée de l'OCR en ligne. 3. Numérisation de plusieurs pages. Numérisez des documents de plusieurs pages simultanément et parcourez le texte. 4. Devises. Reconnaissez les devises et écoutez la valeur estimée de un billet de banque. 5. Code barre. Scannez les codes barres pour entendre le nom et la marque des produits avec des informations supplémentaires. Obtenez un accès illimité aux fonctionnalités Supersens Premium en sélectionnant l'un des plans d'abonnement ci-dessous. 6. Explorer, scanner des environnements nouveaux et inconnus et entendre parler des objets qui se trouvent autour. 7. Rechercher, localiser des objets spécifiques tels qu'une chaise, une porte, une poubelle ou une personne autour en scannant l'environnement avec l'appareil photo. 8. Descripteur de scène, prenez une photo et écoutez le M description la plus probable de votre environnement. Voilà, comme vous venez d'entendre, il y a quand même beaucoup de fonctionnalités avec la version premium. Donc, c'est à vous à choisir si vous désirez la tester. Vous pouvez tester cette application par mois, par an, ou vous pouvez, si vous le désirez, l'acheter complètement à vie. Souscription mensuelle, 4,49€, /mois. Donc vous avez un abonnement de 4,49€ par mois. Si vous n'avez besoin que d'une seule fois cette application ou deux dans le mois, vous n'aurez qu'à payer 4,49€. Abonnement annuel, 43,99€, /mois. À l'année, ça sera un petit peu plus de 43€. Abonnement à vie, 99,99€. Et à vie, une petite centaine d'euros. Voilà, donc plutôt pas trop mal. Et vous allez voir le résultat et vous me direz ce que vous en pensez au niveau des commentaires. Je compte sur vous. Et si vous avez donc trouvé la vidéo à votre goût, n'hésitez pas de me le montrer au niveau des likes, au niveau des j'aime. C'est très important pour le référencement de la chaîne. Allez, je compte sur vous et vos abonnements si la vidéo vous a plu. Paramètres, retour, retour. Inviter des amis. Invite des amis. Alors, vous pouvez donc partager cette application en invitant des amis. Tout Supersens. Demandez un appel. On va tout de suite aller sur l'application. Alors, l'application. Plus près du document. L'application va vous guider au fur et à mesure lorsque vous aurez donc une feuille devant vous. Elle va vous demander de vous éloigner, de vous approcher, etc. par rapport au document à lire. On va faire tout de suite un test, c'est parti. Alors, on va prendre par exemple cette feuille
que je vous mets ici en gros, qui est sur un bouquin. Donc c'est une feuille qui est glacée, donc qui est à pas mal de reflets. Et on va voir le résultat tout de suite, comment Supersens se débrouille. Alors attention, c'est très rapide. Lorsque Supersens a vu la feuille, il la prend en photo instantanément. C'est parti, on la met devant. Déplacer d'un pouce avant. Traitement. Vous avez pu entendre, petite musique. Il y a une petite musique sympa qui nous fait attendre le résultat de cette feuille. Le document est prêt à être lu. Le Salon européen de l'éducation, ce Ducat qu'éduca, NDE l'innovation que, du jeudi 24 au vendredi 26 novembre 2021, demande de badge gratuit sur www.educatecheducatis.com. NDE orientation, Ducatex Ducatis, Salon de Elian. Because, su, le salon de l'orientation, des jeunes, par le temps, du vendredi 26 au dimanche 28 novembre 2021, entrée gratuite, 9h30-18h Paris Expo Porte de Versailles, www.salonéducation.com, un événement de, avec, Alic de l'enseignement, ministre d'éducation totale UNES, maire. Allez, on va reprendre cette page. Déplacer d'un pouce avant. S'éloigner du document. Traitement. Le document est prêt à être lu. TS. Une mutuelle humaniste, solidaire, engagée, responsable. RTE. Sionge. Chères adhérentes, chers adhérents. EAS. En reprenant le chemin du travail de votre salle de cours, de votre bureau, de votre université ou encore de votre centre de soins il y a quelques semaines, c'est ce nouveau une rentre particulière que vous avez vécue. Les gestes barres restent la norme même si la vaccination avance et le pass sanitaire nous permet de progressivement retrouver des habitudes conviviales. Les débats et actualités de cette nous ont aussi rappelé notre difficulté collective Fire République, la fragilité de notre planète ou encore l'instabilité géopolitique. Cela nous interroge et nous interpelle, mais l'espoir perdure. L'engagement collectif est-ce le savon permet de surmonter les difficultés des soignants, des enseignants et de tous ceux qui refusent le fatalisme. Alors en bas, on a différents boutons, avance rapide, retour rapide, lecture. C'est vraiment efficace, on a même un bouton pour partager le document. Bouton. Donc le bouton s'appelle jouer. Partager, jouer, bouton. Commence à lire les blocs de texte en continu. Partager, bouton. On peut donc partager le document qu'on a numérisé complètement en haut à droite. Réduire la taille de la police, bouton. Complètement en haut à droite, on a donc un bouton réduire la taille de la police. Augmenter la taille de la police, bouton. Inverser la couleur d'arrière-plan, bouton. Inverser la couleur d'arrière-plan. Inverser la couleur d'arrière-plan. On peut donc inverser blanc sur noir ou noir sur blanc. Et une fois que vous avez fini de lire, vous faites le petit geste comme d'habitude. Notre document haut. Menu. Jusqu'à la position d'horloge 1. Et on arrive sur la page d'accueil. Tenez, plus près du document. Alors, une fois que vous êtes sur la page d'accueil, tenez, plus près du document. Arrêtez, bouton, démarrer. Vous avez donc complètement en bas de l'iPhone ou de votre smartphone sous Android, deux boutons. Un bouton pour lire. Démarrer, bouton. Un bouton pour démarrer qui est complètement en bas à gauche ou à sa droite, tout de suite en bas à droite. Sélectionnez la fonctionnalité. Le lecteur de documents est actif. Bouton. Sélectionnez les fonctions. Pour sélectionner la fonctionnalité, le lecteur de documents est actif. Bouton. Ouvre un écran pour sélectionner différents modes et lire l'historique. On va l'ouvrir. Smart Scan, fonctionnalité premium. Alors ici, on est en fonctionnalité premium dès le départ, mais vous pouvez utiliser les fonctionnalités non premium, ce qui vous permettra en fait d'avoir les premières fonctionnalités, les quatre que vous avez entendues tout à l'heure. Lecture rapide. Lire les textes courts instantanément. Tenez le téléphone à au moins 30 cm du texte. Voilà, donc ça c'est un peu comme si InAI, c'est la lecture de texte à la volée, ça c'est gratuit. Document pour read, premium feature. Lis des documents plus longs avec des fonctionnalités avancées. Tenez le téléphone à au moins 30 cm de distance et parallèlement au document pour read. Lecture multipage, fonctionnalité premium. Lis des pages multiples plus longues avec des fonctionnalités avancées.
Tenez le téléphone à au moins 30 cm et parallèlement à la page multiple. Donc ici, on va pouvoir numériser plusieurs pages à la fois. Ça, c'est super intéressant. Ça permet en fait de numériser par exemple un livre et de pouvoir avoir la lecture de ce livre par la suite. Currency, premium feature. Reconnaître les devises et entendre les valeurs estimées d'un billet de banque. Tenez votre appareil photo devant un seul billet de banque à au moins 30 cm et l'application le lira pour vous. Barcode, premium feature. Scan barcode to air the name of the product with additional information. Loop. Vous pouvez zoomer et dézoomer et changer les filtres de la caméra. Importer une image ou un PDF. Importe une image ou un PDF à partir des photos ou d'iCloud Drive et lis en mode. Lire l'histoire. Affiche votre historique de reconnaissance de texte sur un seul écran afin que vous puissiez naviguer dans le texte récemment reconnu et le partager avec d'autres applications. Voilà, comme vous avez pu entendre, beaucoup de fonctionnalités vraiment très intéressantes. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette application et surtout si vous allez la tester ou si vous la testez déjà. Ça m'intéresse de le savoir, les amis. On va tout de suite tester les billets et les codes barres. C'est parti. On va se mettre sur les billets. Importe loop, barcode, prêt, currency, premium feature. Reconnaître les devises et entendre les valeurs estimées d'un bouton. Alors pour le mode devise, c'est il faut passer donc à la version premium. Donc je prends un billet, je le mets devant mon iPhone. De l'argent, 10 euros. C'est rapide. De l'argent, 10 euros. De l'argent, 10 euros. De l'argent, 10 euros. Plutôt pas mal en termes de reconnaissance. De l'argent, 10 euros. Ça va assez vite. Barcode, premium feature. Je lance. Arrêtez code, bouton. Arrête le processus de numérisation. Alors ici, j'ai par exemple ce pot que je mets devant. Alors, au niveau de la reconnaissance des codes barres. Mayonnaise. Alors, c'est vraiment assez impressionnant puisque c'est ultra rapide. Regardez, je remets devant. Mayonnaise. 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 C'est vraiment très, 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 très rapide. Alors, par exemple, ce pot, je ne l'ai pas encore fait reconnaître. Donc, je vais le mettre devant. Donc, il ne le voit pas. Je le tourne. C'est très rapide. Vous allez voir. C'est assez impressionnant. Insbio tomato ketchup kopfst vénage bouton. Insbio tomato ketchup kopfst flash 10e pack. C'est vraiment assez impressionnant, les amis. Mayonnaise. Mayonnaise. Alors, je mets devant. Et je tourne. Code barre introuvable. Alors, lorsque le code barre est introuvable, on vous demande de nommer l'article. Super, annule, champ de texte, modification en cours. Et par exemple, ici, je vais lui donner nom, bouteille de Perrier. Bouteille de Perrier. Sauvegarder, bouton. Étiquette enregistrée. Je sauvegarde. Je remets ma bouteille de Perrier n'importe où. Je la fais regarder, je tourne. Bouteille de Perrier. Voilà, franchement, ça c'est idéal pour des personnes en situation de handicap visuel qui vivent seules pour reconnaître des objets. C'est vraiment super sympa. Voilà donc pour la présentation de cette application SuperSens. N'hésitez pas donc à aller la télécharger, à la tester. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé d'une telle application accessible à tous. Et surtout, si vous avez des problèmes pour la télécharger, je vous mettrai donc le lien dans la description ou sinon je pourrais vous l'envoyer directement par le biais des commentaires. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo accessible à tous. Bien sûr, cette application est accessible iOS, Android. Testez-la, faites-moi des retours et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous!